Paillot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marc Page. Le livre de Mansi Aguer, intitulé « Le monde » de Dali, est une mine d'informations sur cet artiste. Ce livre richement illustré vous permettra de découvrir à la fois la vie de Dali, les lieux qui l'influencèrent, mais aussi les artistes et les penseurs, les écrivains, qui orientèrent sa peinture. De sa muse Gala à André Breton, en passant par Garcia Lorca, son ami, vous réussirez à percevoir les clés de son œuvre et à comprendre le cheminement de l'artiste. Ne craignant jamais d'explorer de nouveaux mondes, Dali a subi l'influence de nombreux courants artistiques, allant de l'impressionnisme au pointillisme et du cubisme au modern style. Mais seul le surréalisme aura un impact véritablement déterminant sur sa vision créatrice. Dali repousse les frontières comme nul autre ne l'avait fait avant lui. Son envie d'expérimenter toutes les formes d'art, que ce soit sur toile ou sur celluloïde, montre bien qu'un seul genre ne pouvait suffire à embrasser tout ce qu'il avait à offrir au monde. Contraint par l'occupation allemande de quitter sa résidence en France, Salvador Dali, accompagné de sa muse Gala, émigre aux États-Unis, où il poursuit son œuvre protéiforme. Il mène de front des projets d'écriture et d'illustration, collabore avec des cinéastes tels Alfred Hitchcock et Walt Disney, sans toutefois rester insensible aux événements qui agitent le monde, en particulier l'avènement de la bombe atomique. La période mystique nucléaire de Dali, durant laquelle l'artiste s'interroge sur les conséquences de la science et de la religion, donna naissance à certaines de ses œuvres les plus marquantes. L'intérêt de ce livre, au découpage fort chronologique, est intéressant surtout par les 160 illustrations qui représentent ses œuvres, mais aussi les photos qui ont jalonné sa vie. Le second intérêt de l'ouvrage est la présence de 20 facsimilés glissés dans des pochettes. Facsimilés représentant sa carte d'étudiant, représentant des cartons d'invitation, représentant des écrits de Salvador Dali, tels que des lettres à Aragon, des lettres à Garcia Lorca, son ami. Paillot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marc Page.